Autre chose, l'observateur avoue avoir reçu de l'argent de l'étranger, y compris 40 000 smartphones. Parce qu'on avait parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met directement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'on aurait envoyé, par exemple, à Moïse Katoumbi, pour justement votre travail d'observation. En gros, ce sont les pays européens. Katoumbi n'a même pas un dollar pour ça. En gros, ce sont les pays européens. Katoumbi n'a même pas donné un dollar pour ça. Alors, vérifions avec le supporter de Mazembe, Olivier Kabitatou. Parce que nous avons acheté près de 40 000 téléphones smartphones pour envoyer à notre centre de compilation tous les procès-verbaux. Quant à savoir qui est en train de mentir, je ne sais pas, mais j'ai mon choix, j'ai une idée. Je pense que la personne qui amène l'obscurité dans une salle éclairée pour cacher la vérité est celle-là qui ment. Bon, passons un peu à cette histoire des 40 000 phones, 40 000 smartphones. Faisons le calcul. Prenons le prix le plus bas d'un smartphone, 100 $. Alors, 100 $ multiplié par 40 000 phones, ça vous fait 4 millions $. Je me demande, par quelle frontière ces téléphones ont traversé? Quelle douane du Congo? Et la deuxième question, quelle est cette compagnie de communication qui a coopéré avec des étrangers pour faire entrer et octroyer des SIM cards à 40 000 téléphones? Très cher ami, revenons sur la loi électorale. À notre article 45, la dernière partie, qui interdit à l'abbé Chollé ou à non à un observateur de devenir gnossologue. Il y est fait interdiction de battre campagne ou de porter des signes partisans. Très cher ami, nous avons tous suivi. La loi électorale interdit à un observateur d'être partisan. Mais nous avons aussi suivi le supporter de Mazembe, Olivier Kabitatou, avouant sur TV5 que la Mouka va acheter 40 000 smartphones qui sont envoyés à la Senko, qui devrait normalement être un observateur neutre.